Au fait, t'as parlé à Nathan? Non, j'ai pas eu le temps, et puis tu sais bien, dès qu'il est là, je suis mal à l'aise. Bah si tu veux, je peux lui en parler. Non, je verrai bien ce soir. Ce soir? Bah oui, il y a une soirée chez Nathan. Ah oui, je suis con. Bah, c'est le moment ou jamais. Ouais, on verra. Bah tiens, Vladisa et Cathy, on va pouvoir décoller. Salut. Bah désolé pour le retard. Vous avez mis du temps? Bon, on est un peu traîné. Bon, on va peut-être y aller? Ouais, on y va. Ok. Y'a qui ce soir? Bah je pense qu'il y a tout le monde. Ah cool. Vous avez parlé de quoi avec David? Oh rien de spécial, il avait juste zappé qu'on allait chez Nathan ce soir. Ah ok. Au fait comme sœur, il n'est pas là pour frangin ce soir. Non, on fait cette garde ce soir, le putain. Et il va bien putain? Ouais, ça va, mais bon, il est débordé avec tous les patients qu'il a. Tu m'étonnes, tu m'attends qu'il travaille à l'hôpital, elle a de ses horaires, moi je pourrais pas. En fait, Nathan, je peux prendre des cacahuètes dans la cuisine, s'il te plaît? Vas-y, hein, fais comme chez toi, peut-être. Vous voulez autre chose? Non. Une petite bière. Ça marche. Salut. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? David m'a dit. Putain, David, tu me disais rien dire, quoi. Bah écoute, maintenant une fois vous sortez ensemble, maintenant. Bah mais je crois qu'Alicia elle a vu sur Nathan quoi. Bah elle n'a qu'à être plus démonstrative, hein, en même temps. Voilà. Ah bon, c'est pas grave à défendre. Hein. Et au fait, vous avez entendu parler de la légende du tueur à tête blanche? Non. C'était Richard Le Dantec, je crois. Personne? Non plus. C'est un mec qui a pété les plombs. Il habitait une maison retirée dans le bois de Belgore. Ah bon, c'est pas là que vous étiez cet après-midi? Si, c'est là qu'on a retrouvé Alicia et David. D'accord. Ouais, enfin bref, le mec, il a retrouvé sa fille, Malicia, morte. Elle a été violée. Et en fait, ils n'ont jamais pu retrouver le tueur. Donc lui, Richard Le Dantec, il a pété les plombs et il a fait que buter les gens, les assassiner, les mutiler. Ah, arrête, il y a des frissons. Non, mais sérieusement, c'est quand même arrivé ici. Hein. C'est dingue. Ouais, ok. Ouais. D'accord. Bah écoute, y'a pas de soucis. Je t'apporte ça après le taf. Ouais, David. Je vais te laisser, on m'appelle. D'accord. Bon, allez, Francky. Ouais, il faut que je te laisse, cousin. Ouais. Salut, cousin. Alors, comme ça, t'as parlé à Nathan? Bah écoute, ouais, je lui ai dit que. Voilà. Mais. T'as pas en tête quoi, pour l'instant c'est pas toi quoi. De toute façon c'est de ta faute, moi qui te faisais confiance. Eh, hey, t'emballes pas comme ça, je t'ai dit, j'ai été lui parler. Maintenant je vais pas le forcer quoi. Ah ça. Tu vois bien, ce soir il est avec Cathy et tout ce qu'il veut avec toi c'est qu'une amitié quoi. Une amitié? Bah ouais. Non mais vous êtes tous des faux culs là. Alicia, attends, j'ai été lui parler. Alicia, attends! Attends! Ouais? Comment on... Je te laisse, je fais un appel à l'urgent, donc je file quoi. Je vais pas faire. Un grave? Non, mais bon. Ah merde, j'ai oublié mon téléphone là. J'essaie de voir si tu peux passer tout à l'heure. Ouais, de toute façon, je t'envoie SMS. Ok, bah on se tient au courant. Ciao! Bon, allez, à plus! Ciao! Ouais.
sinon, ouais, ça a été. Tout à fait. J'étais un peu fatiguée, mais bon, j'ai bien dormi. Ça ? Bah donc, la porte est entrouverte. Bah non, bah, je vais aller vérifier quand même si on peut pas. Bah non, en fait, je pense que c'est bon. Hein. Attends, j'entends quelque chose dans le garage. Oh Lisa, qu'est-ce qui se passe? David, David! Qu'est-ce qui se passe? Nathan! Nathan, je peux pas vivre, il est mort! Putain, bouge pas, j'arrive! C'est quoi ce putain de délire là? Lisa.